Hi everyone. I'm Soho Tangis Riki from Côte d'Ivoire. I'm a young writer. I have published 2 books. The first one was The Dark Paradise. We're talking about poverty and children crying in Africa. The second one was The Cave of Science. And I'm trying to publish the third one here in Rwanda this year. I used to write in French, but this year I want to write in English. And this year I'm learning English, so I'm not so good. I'm going to perform in French. Yeah. And my artist name is Funiras. Funiras since high school. I received it from the last time. La pâtisserie. C'est à fond de plaisir que j'ouvre mes grands yeux. Comment peut-on réunir autant de belles délicieux? Devant cette vitrine qui a su me retenir, j'active mes balbines. Je ne veux plus me retenir. Rien que le beau dessert au milieu de mes envies. Mon estomac se resserre et se met en appétit. Tant de petites bouchées pour des fabuleux repas, aux formes bien soigneux pour des gâteaux d'autrefois. Gaufre et mille feuilles à l'ombre des palmiers, éclaire et accueille la brioche de Vendée. Le sucre sur les crêpes fait sourire à la vie. Par plaisir, j'y accepte. De la crème chantilly. Baigné de mon enfance au chocolat chaud divin, d'où vient l'espérance de s'éteindre dans mes mains. Et les religieuses bien penchées sur les flancs me semblent amoureuses d'un Jésus pantant, répandant. Du riz ou de la crème dans les savoureux babas, son délice suprême qui ne se refuse pas. Une tasse s'est remplie du doux nectar du verger, son rêve s'est accompli dans son rapage. Sucré. Fruit de toutes les couleurs pour la décoration, tes regards de jolies fleurs fixent mon attention. Pour la fin de déjeuner, tant de goûts merveilleux, ce parfum vient d'été pour nous surprendre un peu. Je me suis rassasié des choses savoureuses en vous faisant partager ces joies délicieuses. Rien que de regarder du rire. J'ai dû reprendre du poids, je préfère m'en aller pour calmer mon désarroi. Mais un jour pourtant, oui, un jour pourtant, je reviendrai me servir réellement dans cette pâtisserie. Et c'est comment?